Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, Big Bang Boom! On se retrouve sous Hunter Call of the Wild, DLC Medved Tiger, et vous voyez, une belle brochette de Kono pour vous aujourd'hui. On n'est pas un, on n'est pas deux, on n'est pas trois, mais on est quatre Kono. On avait le Patou, le chef des Kono, bien sûr. Et bonjour, moi Julien, bonjour à tous. Regardez ça, il est en lévitation. On est avec Erwan, salut mon Erwan. Salut. Et on est avec Saphir, salut mon Saphir. Salut Juju. Allez, on est parti, on se lance, vous l'aviez demandé, quand est-ce que ça revient la chasse? Et ben ça y est, on va juste aller chier un coup dans le bol, tu vois. Regarde s'il n'y a pas les Playboys. Voilà. Et après, on attaque bien évidemment la vidéo. Ah, il n'y a pas de papier. Bon, bah, il y a une petite bouteille d'eau de colonne vide. Dommage. C'est pour se nettoyer le fion quand t'as fini. On part face au vent et puis on est bien. Hein, ouais, allez, on y va. Bon, bah, on se déploie. Technique 4-4-6-12. 4-4-6-2, la tenaille. On se prend un peu de largeur et puis on va essayer de chasser. On va voir ce qu'on trouve, de la belette, du porte-bus, de l'ours, du renne, de l'élan. On verra bien ce qu'on trouve. Allez. De la michetonne, on prend de tout. Chaminou, c'est Darty. Où est-ce qu'on... Finalement, on est où dans la map là? Ouais, on est pas mal de regarder là qu'il devrait y avoir pas mal d'élan dans le coin. Normalement. Allez. Allez. On va voir. C'était partout. On va voir. Voilà. Donc, normalement, là, dans l'après-midi, bah, Erwan, ça queen déjà là-bas. Ouais. Ça queen. Ouais, ah, porte-buzette. Bon. Porte-buzette. Attends, je vais chausser une plus petite carabine. Peut-être la 270. C'est bien. Allez, ça ira bien. Ça ira bien. Donc normalement dans l'après-midi les gars il devrait y avoir la vidéo d'hier ETS2. Ok. On va voir. Donc pour ceux qui ont... On va parler un petit peu ETS2, on va peut-être parler un petit peu pêche, hein, je l'ai dit, on sera sur la pêche prochainement également. ETS2, dernier DLC sorti, magique. Franchement, énorme. Ah il est génial hein. Franchement pour 4,99€ les gars, foncez. Il est top de la balle. Il y a des animations et tout au début. Après, il y a le mec qui dit attention, reste derrière le bonhomme devant, derrière. Attention, fais gaffe, changement de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Changement de voix, ralentissez. Enfin, c'est magique. Hein. Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Regardez s'ils sont pas beaux. Il y en a un orange, il y en a un rouge. Il y en a... Et Patou est en rose, non? Me semble-t-il. Ah, non, non. La patounette, là. Allez, commence pas, toi. J'ai un mal porte-bite, mais... Ah, il est derrière les... Ouais. Il est derrière les tailles, il laisse tomber. Oh, ta gueule bah, ta gueule, connard. Si vraiment tu chauffes comme ça, tu vas prendre dans le cul. Hein. Ouais, je crois que tu vas prendre du poivre dans les fesses. Il va se prendre... Il va finir à plomber, celui-là. Hein. Là, on est bien au niveau du... C'est un petit moment qu'on n'est pas revenu dessus. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est un petit moment et ça fait plaisir de revenir dessus, comme ça, de changer un petit peu. Donc voilà, on parle pêche aussi, donc... Russian Fishing Planet, non, Russian 4, Fishing 4, 4. Jeu gratuit, donc voilà, on tournera la vidéo, je mettrai le lien de DL du jeu dans la description de la vidéo, franchement, alors jeu franchement, pour un jeu gratuit, franchement, ça vaut le coup, hein. Ouais, franchement, il y a de quoi faire, jeu hyper simulation, a priori, je suis pas un grand pêcheur, moi, IRL, pas du tout, d'ailleurs, en plus, j'y connais un petit peu, parce qu'il a été un peu avec l'ancien à la pêche plus jeune, j'ai quelques notions, on va dire, je suis pas un noob de chez noob, je suis un noob tout court. Mais franchement, plutôt sympa. Je suis niveau 2, Patou, je t'ai dit là ce matin. Ouais, tu m'as dit, ouais. Mais bon, il n'y a pas lourd avant de passer niveau 2. Hein. C'est pas... Alors moi, j'ai juste un peu testé le tutoriel, donc j'ai pas vraiment pêché. Ouais, franchement, pas mal. Je suis passé déjà au deuxième lac, moi, parce que c'est le premier est un petit peu petit. Et voilà, et puis après, on va acheter les cannes adéquates. Donc, on est sur la ligne des chemins de la Russe. Hein? Il y avait une biche devant. Pas de biche ici. Oui, là, je la vois. Non, non, c'est Juju, c'est pas une biche. Non. Si c'est une bûche barbue, allez, c'est bon, c'est miné. Pas sûr. Où c'est qu'ils sont à 70 touché, mètres, peut-être. 100 mètres. En général, il y a un truc qui est passé au loin, mais j'ai pas eu le temps de. C'était vraiment au loin. Il a filoché. Si, touché. J'ai des traces par là. Je sais pas si c'est ça que vous avez chopé. Regardez-moi ce soleil à travers ces arbres, cette neige. It is magnifical. Ouais, à mon avis, c'est ce que vous avez plombé là que j'ai comme trace en fait. La baie de Rybatsky. Pas tout, j'ai aussi ah, mais pas tout de l'autre côté. Ouais, je disais, bon Dieu, il me semblait qu'on était tous dans cet axe. Enfin, vous étiez tous les trois dans cet axe là, mais pas tout était. Non, je me suis un peu écarté. Et de l'autre côté. Bon, on va chouiner comme d'habitude, comme ça après il y a du gibier en fait, hein, c'est ça l'idée. Toujours pareil, dès qu'on se plaît, après. Y a pas de gibier, qu'est-ce que c'est? Y a pas de gibier. Ah ouais, là y avait un peu de gibier. Eh bah si, ça y est, je l'ai eu. Ah, c'est bon, tu l'as? Ah, ouais. Bien, ça fait. Oh, GG. On a rien vu, mais GG. On a juste entendu. Oh, comment tu fais bien le son de la carabine? T'as vu?
Ah, et là, je, là, et je peux même faire l'automatique. Je peux faire le chien courant si vous voulez. Ah ouais, Patou il fait. En plus de la CV, c'est. Le chien courant. Oh, il y a un truc qui bouge là-bas derrière, Patou, tout droit devant nous, en face de nous. 203 de trophée, bien. Il partait. Ah, ouh, gros machin là-bas. Patou, vers toi là. Ça a passé à. T'as pas vu? Il est où, Patou? Il est là. Je suis là. Ouais, il est plus sur ta gauche, non? Il partait. Il a traversé là de droite à gauche. Ouais. Allez, à 50 mètres devant. Voilà, c'est un joueur caudal. C'était soit un élan, soit un renne. Et après, ah ouais, lui, peut-être. Si c'est les mêmes traces que j'ai, c'est un élan femelle. D'accord. Ah, j'aurais dit, moi là, mais enfin, en tout cas, je sais pas si c'est la même chose, mais peut-être un mâle. Il me semblait qu'il avait des bois. Des bois sur la tête. Mais c'était assez furtif. Je lui ai vu que le cul. Ah, j'ai pas vu s'il avait les couilles, mais j'ai pas vu s'il y avait les valoches. J'ai pas vu si ça pendait, mais non. Ah, et adieu. Adieu, ça canarde là-bas. Putain, mais on va arrêter de les inviter, ils tuent tout le gibier, on voit rien nous. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un lynx. Ah, bien. C'est pas évident le lynx. Hein. C'est pas évident. T'as assez chargé en végétation là quand même. C'est assez dense, ouais. Alors j'ai une trace d'élan mâle. Allez, encore au porte-musca. Dans votre direction, Erwan Saphir. Porte-musque mâle devant, jus. Ouais, il me semble que j'ai vu un écho, mais j'étais sur les traces. J'étais sur les traces du élan. Ça va de mieux en mieux, je vois. Ouais, non, ça va bien. C'est, vendredi, ça va bien. Hein. Ah oui. Vendredi, ça va très très bien. 250 mètres saphir, 78 mètres Erwan et 90. Ben, on est bien, oh, t'es belle tenaille. Hein. Ah la vache, oh, franchement, bon, hein. On s'est pas mis d'accord d'avance, mais putain, la classe. Hein. La classe. En fait, nous, pas tout, on fait trop de bruit, c'est pour ça. On arrête de parler, peut-être. Hein. T'as pas de Jacques Théo. On fait trop de bruit, c'est pour ça qu'on voit pas de gibier. On voit rien du tout. Là-bas, il faudrait pas qu'ils mettent leur parole dans le jeu parce que je te dis, on voit pas rien. C'est clair, ah, les mecs ils sont plus malins là-bas, ils sont plus malins, la Saphir & Co. Ils sont malins, ils sont malins. Oh, un élan. Ils sont plus stratèges. Je suis pas mon lynx. Bon, bah on voit. Que chi, bon, enfin en tout cas, j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Hein. Au pire, bon, s'il n'y a pas de gibier, on... Oh là là. Mais c'est pas vrai. Oh, c'est... mais arrêtez. Vous faites fuir tout le gibier. C'est pas possible. C'est vrai que là, mais je pensais que. Bon, bah c'était bien là. Regardons la map. Ah ouais, mais d'accord, on est parti vers là. On n'est pas parti vers. 190 va bien. Saphir, lynx, oh, putain. Oh, joli, c'est joli. C'est tout par là-bas. C'est tout par là-bas. On va reprendre la. C'est bon, j'ai la 270. Ah, la Chouina est là-bas, non? Ah, élan femelle. Direction plus vers. En face de vous, Saphir, Erwan. Coucou, te caches-tu? Ça va venir, faut qu'on chiale un peu plus, on n'a pas assez chialé. Ouais, non, on s'est pas assez plein. Ouais, on n'a pas assez chialé là. Après, dès qu'on chiale un peu beaucoup, il y a du sanglier en meute, tout, en de troupeau tout. De sangliers. De l'albinos, on a de tout. Chita. Bah j'ai jamais revu un autre albinos de quelque marque que ce soit d'ailleurs qu'avec toi. Hein. Je sais pas comment ils font ceux qui tombent sans arrêt sur des albinos. Bah soit ils. Elle en femelle. Ouais, ils jouent beaucoup les mecs. Ouais. Ou ils font moins de bruit que nous. Ouais, il y en a qui. Il y en a qui doivent quand même passer quelques heures sur le jeu. Hein. Bon, pendant, je pense, ouais. On je passe pense. Pas assez d'heures sur le jeu. Et voilà. Oh, oh les mecs, ils ont des AK-47 là-bas, les Kalash. Ils tirent au bazooka ou quoi? Putain, ouais. Et là, on va voir apparaître. Si on fait un petit hier pour rigoler, regardez ça. Voyons. Alors, 495 Saphir et la Fanny pour les autres. Putain. Le plus fort, c'est pas qu'encore on tire à côté, c'est qu'on tire pas du on tout. On tire même pas du tout. Ouais, on tire pas du tout. J'ai pas mis mes lunettes. Lunettes de soleil, qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a un élan en face de moi, il est un peu loin. C'était un caillou, moi. Pire. Putain, encore un guignard comme je suis, ricochet, ça me revient dessus, quoi. Fail. Ça te le prend à la patte. Ouais, fail. Ah, ça a l'air de se dégager un petit peu, là, des fois qu'on est un peu de... Ah, il y a quoi, là-bas?
Piste écrit. Ah, c'est l'élan femelle, c'est ce que vous devez pister, les gars, je pense. Ouais. Vous êtes dans la direction. Le patou, il est où? Il est là, 20 mètres. Là, oh, 20, il se rapproche, il se rapproche. Je vais sentir bientôt son souffle rauque. Le souffle rauque dans ton cou. Dans mon cou frêle. Là, c'est à se dégager, mon patou. Il y a un lac. Ouais. Ça va le faire. Viens là, viens là, viens. Fini. Ah oui, c'est le trou là. Ah ouais, c'est ce trou là. Je l'ai traversé une fois pour aller de l'autre côté. Non, mais regarde le trou. C'est un immense trou. Avec un peu de chat, on se met en snipe là, il y a quelque chose. Tombe pas, Kono. Hein. Oh là là. Est-ce qu'on voit pas. Ah, je vois le truc courir là-bas. Il veut pas crever, mon. Ouais, vous l'avez allumé. Hein. Bon, bah, elle est très très loin, carrément de l'autre côté. Bon, on va aller du côté des Jones là-bas parce que putain, les mecs ils attirent le gibier. Oh. Nous on le fait fuir. On est bourré de phéromones mâles. Putain, ouais, vous dégagez, oh, putain. Puis c'est toute la femelle, non? J'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Lynx, femelle, non? Mâle? Non, moi j'attire les mâles bizarrement. Ah, moi je me poserai des questions, attends. Ouais, faut te faire des soucis. Ah, bah, je me pose des questions. Et avance en reculant parce que. T'inquiète, je vais faire. Fais gaffe. Prévenir, hein, je vais pas te tourner le dos alors du coup. Fais pas tomber la carabine parce que. Purée, tu vas t'en relever plus vite que prévu. Il y a des 338 qui traînent dans les voies là. Il y a même du Magnum, hein. Fais gaffe. Il y a de la chevrotine. Hein. Fais gaffe. Derrière un arbre comme ça, au détour d'un arbre, méfie-toi quand même. Élan mal. Ah, bien. Putain, on va se foutre là en snipe, il serait pas là à se mettre. Cri d'accouplement. Oula, fais gaffe Erwan. Il t'a senti. Fais pas le con. Ah mais regardez quand même le panorama, on va quand même vous montrer le panorama, puisque au niveau chasse on n'est pas verni aujourd'hui, hein, pour l'instant en tout cas, mais il y a un trou comme ça, et ouais j'avais fait la descente là-bas à gauche, vous voyez une espèce de descente, et à droite là-bas il y a la remontée, j'avais traversé, c'est hyper long à traverser en fait, on n'a pas l'impression comme ça, on dirait que c'est assez, c'est pas très large, hein. Mais franchement il y en a pour un petit c'est moment, très grand, ouais, même très à la course, hein. Bon j'avais pas le quad à ce moment-là. T'as pas tout, on va aller niquer la chasse à sa fille, on va aller chercher les quads. On va faire du bruit, comme ça il aura plus rien. On va faire du bruit avec les pistolets à la main. D'ailleurs, j'ai jamais essayé les pistolets, faudrait qu'on essaye un jour ces putains de pistolets. Ouais, ouais. Ah, moi j'ai essayé. Fait l'arc. Ouais, on a fait les chasses à l'arc, c'est une chasse bien particulière, sympathique, mais mais les pistoles, j'ai même jamais essayé en vrai. Moi, avec moi en possession là, j'ai 357 Magnum. Ah, ouais, d'accord. Monsieur ne représente pas. Monsieur est armé, hein. Faites pas les cons! T'as ces effets de lumière, un coup jour, un coup gris, et encore on a de la chatte, c'est pas fou. Et là il neige pas encore. Là, y a pas de bizarre, neige, c'est pas. Ouais, c'est pas. C'est bizarre. Couvert. C'est pas couvert. Bon, écoute, on va partir par là, se mettre à la course. On peut parler farming si tu veux un petit peu. Ouais, je veux, puisque il y a des grandes nouveautés chez farming. Vas-y, je te laisse, Patou. Il y a une mise à jour qui a foutu la merde, on va dire, pour parler comme il faut. 1.5.3, c'est ça. Donc aujourd'hui, vendredi, il y a une mise à jour qui est sortie, qui s'est installée sur Steam pour corriger la mise à jour. Voilà. Donc, d'accord, donc 1.5.3 bis, quoi. Plus 3, plus 8, plus 12. D'accord. Pour ceux qui sont pas sur Steam, comme moi par exemple, elle dispo peut-être sur le site officiel, non? Non, je passe pas encore. Donc là, juste avant de lancer mon jeu, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour qui s'est faite sur Farming, avec justement un correctif pour le problème des manettes. C'était quoi? Finalement, le problème était limité à la manette ou quoi alors? Non, au volant, au console. D'accord, à tout périphérique quoi. Ouais. Parce que donc, quand j'ai vu ça, effectivement, on en discutait vaguement vite fait avec Erwan hier soir. Il me raconte des conneries, il me dit « Oh, regarde la vidéo YouTube !» Non, non, c'est moi qui me suis trompé. Mais je sais bien, c'est pour ça que je le dis d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Non, voilà. Et c'est vrai que j'avais aperçu sur le Facebook de Classe DX69 qui expliquait qu'il pouvait plus jouer avec sa manette. Ouais, c'est ça. Suite c'est à la mise à jour. J'ai vu que Patou était passé par là aussi. Mais, ouais, et après, bon, c'est rentré dans l'ordre. Bon, écoute, donc on peut faire la mise à jour, on peut y aller, quoi. Ouais, tu peux. Après, de toute façon, si jamais il y a un souci, il faut changer un paramètre dans le dossier l'XML et input binding. Voilà. D'accord, ok. Enfin, bon, et sinon, on en viendra. Et sinon, en chinois, ça s'appelle, ça se dit comment, ouais. Input building.xml. Ok, voilà. Bon, bah, on a tout compris. J'ai tout. Ah. T'es où, petit con? J'ai l'impression qu'il y a mon élan qui revient vers vous. Ah,
Fais gaffe parce que s'il prend trop d'élan. Oh. Allez, je m'en vais. Ciao. Allez, merci d'être passé. Hein. N'oublie pas de t'abonner, Colo. Hein. Mais il va plus vers Erwan, apparemment. Ah, ouais, ça m'étonne pas. Et c'était un élan mâle. Oui, bah c'est Erwan. Non, non, c'était une femelle. Les mâles, c'est pour Erwan. Ah, je l'ai passé. Il est passé devant moi. Il est parti vers Juju. Ah. Ah, merde. Oui, porte machin. Ouais, j'en avais un derrière aussi. Enfin, je suis un petit peu plus loin là. Alors, hop, 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 hop. Je voudrais l'achever, il est blessé à 25%. Enfin, il reste que 25%. Oh, mais tu l'auras pas forcément. Hein. Ils sont incroyables. Certains sont incroyables. Et on va pas faire un bout de bidoche. Hein. Un truc de dingue. On va manger des cailloux ce soir. Hein. Ah, bah putain, ouais, clair, soupe de cailloux. Hein. Un lynx de rasier en face. Soupe de caillasse. C'est quand même vachement, comment dire, boisé, obstrué, c'est pas évident de trouver du gibier et de voir du gibier en fait. Bah ouais, il y a des coins, de vue, ouais. Ouais, il y a des coins, putain, là en l'occurrence ici, c'est vraiment pas évident. Hein. Le gibier, tu l'entends, mais on le voit. Pour le voir, pot de zeb. Vas-y. Là, on avait chassé la dernière fois avec Patou, c'est vrai que c'était un petit peu plus dégagé, c'est un peu plus facile. Oui, oui, si t'as de la chatte en plus à cet endroit-là, en général, il y a un peu de gibias, mais... Pas bon. Un cri d'avertissement et la malle devant. Bon, on est tout ah hey, oh, carreau. Il me tire dessus là. Non, c'est moi, j'ai fait un carreau. Ah bien. Bien, bien. Bon, bah les gars, vous reviendrez pas. Hey, t'as vu où vous êtes gentil, mais... T'es pas passé loin. Vous êtes vraiment sympa, mais non, non, ça va pas. Vous nous volez la vedette là. Non, ça va pas du tout ça. Non, 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 regarde ça, Erwan, porte-muscle. Porte-muscle. 400. Oh, chapeau. Un carreau direct. 400 sur un porte-buse ? Ben Dieu, il est quoi ? Il avait les balles en or celui-là ou quoi ? 270 boîte balles polymères. J'ai entendu couiner, j'ai pas vu le. J'ai pas vu l'écho. On est toujours en train de. Finalement, je suis pas loin de la voie ferrée encore, moi. On va y retourner des fois qu'il y en a un qui passe d'un côté et de l'autre, là. PAH ! On va le miner. Bernard. Ouais, pas tout, viens, on se prend la main, on va bah sortir. Allez, on sort. Bon, ouais. Allez, on sort. Merci. Merci et n'oublie pas de t'abonner, quoi. Ça, quoi. Mon Dieu. Bah, on est obligé de meubler. Eh, on est obligé de meubler, on fait rien d'autre. Putain, ouais, putain, lynx de Razi. Merde, j'ai perdu mes traces. Bon, sinon, au pire, je peux tirer sur Erwan, Saphir ou pas tout, quoi. Limite, au pire. Au pire. Ça fait. Bah, quitte à choisir, autant de tirer dessus, hein, t'auras plus de masse. Hein. Putain, rien vu. C'est un truc de fou, hein. J'ai entendu chanter, c'est tout ce que j'ai fait. Et c'était peut-être même moi qui chantais. S'il faut, c'est ton écho, s'il faut. Mais t'arrêtes pas ces gens de tirer. Bah, je suis obligé de tirer, j'ai niqué une belette, quoi. Là, t'en es à ce point-là. Bah écoute, il y avait une belette sur les rails, je voulais vraiment tirer un coup, hein, de fusil. Allez. Mais d'habitude, je les rate, cette fois-ci, je l'ai niqué. Bon, je viens vous montrer quand même, il n'y aura pas de trophée, hein, mais voilà. Normalement, ça se tue pas, enfin, ça se tue, mais ça ne rapporte rien, voilà. Bon. Il y a Elan Mal qui va vers toi, ça fait deux. J'ai vu. Ils viennent vers moi, non? Putain, oh, les mecs, ça mine dans tous les sens, là-bas. Putain, on va courir. Ah, je suis pas sûr de l'avoir touché. Moi, j'ai touché, sûr. C'est bon. Ah putain, je l'ai miné à la 338 la belette en plus. En hein. plus, ouais, ouais, ça ouais, va. Tant qu'à faire. T'en as fait du pâté. Ouais, je l'ai coupé en deux. Je l'ai coupé en deux au niveau du ventre. Non, ça claque et puis ça se met à allonger, c'est bon. Bon alors attends, on va essayer d'aller vers où ils sont là. Ils sont tous à peu près à 200 mètres de moi, les jeunes là. Avec un peu de chat, et on fait comme ils disent tous là. On fait une battue là, et des postés, des coursiers, des je sais pas quoi là. Les rabatteurs et les tout. Les rabatteurs, les chiens, les loups, les avions, tout. Ouais, la péniche, parce que moi j'ai une grosse péniche. Ah, puis génial ça. Ça a couiné là, non? Mais j'ai pas eu d'écho. C'est pas tes genoux qui couinent, hein? Ah, bah ça, si, ouais. Bientôt, je vais avoir un petit genou en titane. Eh ouais.
J'ai encore une dizaine d'années à tenir avec mon genou en ours. Non, mais quand tu fais pas le fou, ça va bien. Ouais, ouais, mais il faut pas faire le fou. C'est tout. Ouais, ça m'emmerde, moi je suis un fou. Un bledin. Je suis un marteau. Je suis un marteau. Oh, mon Dieu. Putain, mais on va trop. Rien vu. Bon, bah écoute, c'est une. Bon, c'est bien. Les autres ont tué. T'as une trace de sang ici, là? Ouais, ouais, c'est mon élan. C'est ton élan? Ah, bah vas-y. Ouais, ouais. Ah. On aurait un. Il me fait tourner en bourrique depuis tout à l'heure. Capte chat, on va essayer de te faire un lynx femelle. Avec un gros écho, il doit pas être loin. Ah, tu dois le voir pas loin, ouais. On va se monter sur la caillasse, là, avec un peu de chat, on va le voir, déjà, c'est pas mal si on le voyait. Mais c'est encore pas dit, hein. Parce que les lynx, pas bien gros. Et tu vois, ouais. Si tu vois un élan barbu avec des lunettes et chauve, c'est moi, hein, tire pas. Un barbu chauve à lunettes, ok, bon, je regarde. C'est une nouvelle race, cet élan. Je regarde. Ah, j'ai un élan qui a une trace de sang. Donc bon, c'est pas moi qui ai tiré, ça c'est certain. Ici les gars. Avec des traces de pattes d'élan, élan mâle. Ah. Dans ma direction, donc... Mon Dieu, la couleur a été changée, je sais plus. On est passé en sépia. Ça vous arrive pas ça des fois? Sur une seconde, oui, ça oui, devient oui. Tout sépia, oui. Et puis après ça reprend la couleur normale. Si vous cherchez votre élan mâle, je suis sur la piste, il est... Qu'est-ce que c'est ça? Un arbre. Bon. Putain, mes yeux me font défaut en plus aujourd'hui, donc ça le fait. Ça le fait! Il est là. Eh, hey, tu l'as trouvé? Ah, il se barre. Il fait un carnage de saphir aujourd'hui. Ah, clair, mais il est où? Il est 300 mètres, mais c'est pas le même alors. Parce que moi, je suis une trace d'un élan mâle blessé en plus. Et je suis dans le bon sens, et c'est le sens opposé à vous, donc... pas le même. Peut-être que Erwan a tiré. Ouais. Ouais, il a mal au galop, donc ouais, le mec il en a pris une dans le... La buffet. Dans le bassin, là. Par contre, je trouve pas de... Ah. Tu fous de ma gueule, t'es juste derrière le truc, alors. Ça fait un bruit chelou, les lynx, quand même. Ouais, ouais. Hein? Oh là. Oh là, en train de mourir, le type. Oh, ça fait un vieux bruit de chat coincé dans la porte là. Ça couine même pas, ça souffle. C'est un truc bizarre. Tourne en rond, hein, ça file. Ouais. Oui, oui, je tourne en rond. Vi. Ouh. On est. Ah. S'il vous plaît, pas manger, pas travail. pas travail, grande pas famille. Pas travail, pas manger, la famille. C'est normal. Ouais. Putain, mais un truc de dingue, j'entends. J'entends, mais chaque fois que j'arrive là où il est censé être, il n'y a plus personne. il me prend pour un con en plus. Ah, bah, Dieu. Tu crois quand même pas qu'il va t'attendre, non? Bah si, et puis il pourrait se coucher, se reposer ou faire quelque chose, se lécher les couilles, faire un truc comme ça. Comme... Éventuellement. Ouais, comme font les chiens, quoi. Il est tranquille, peinard, installé, là. Il y a peau de balle. Peau de zoub! Ah, putain! Ah, je t'ai vu. Par contre, ça, 243, ça fait chier. Bon, moi je l'ai vu. Après, ah, fait. Furtivement, mais elle tente que je chope la carabine, qu'elle se la prenne dans le. Ça va vers toi, Saphir. Que je la prenne dans le bon sens. Attends, il va pas tarder à crever. Blessure mortelle. Il te l'a dit? Elle en mal. Blessure mortelle. Elle en mal. Blessure mortelle. Il jouait RP, Erwan, on est RP! C'est la guerre, mon colonel! T'as vu ce RP? C'est la guerre! C'est pas ma guerre! C'est pas ma guerre! Putain, le bordel! Adrien!
On est en train de perdre Patou. Ça y est, c'est fini. Ça y est, on est en train de le perdre. Bah, allez, on va y aller alors. Hein. Il s'est tiré une balle dans le pied, Adrien. Putain, mais l'autre, il me fait chier à couiner. Oh, putain. Et je le vois jamais, ce connard. Eh merde, le te baisser, il saute, ce con. Hein. Putain, chaque fois, je me loupe dans les touches. Putain, ce boulot de merde. Ah, bah, Dieu. Les mecs, ils sont pas cons, ils sont quand même vachement éloignés de moi, 600 et 700 mètres, hein. Ils ont confiance. Hein. Ouais, ouais, hein, ils ont vachement confiance. Hein. C'est pas tout est le plus proche, hein. Il connaît un peu mieux l'animal. Merde, je rigole, okay. et j'ai la souris qui suit le mouvement. Putain, j'ai même le trackier pour la chatte. Eh, faudrait... Non, ça doit pas marcher, je pense pas. Ça va pas marcher, faut que t'essayes. Ouais. Hein. Ça pourrait être essayé, ouais, voir si éventuellement. Oh, bah, il est couché, Erwan, là, il n'y a plus qu'à le trouver. Hein. Pas possible, pas croyable. Ah, aujourd'hui, hein? Rien! On est fanny! Rien! Enfin, en tout cas, moi perso. Ouais, je le vois. Moi perso, je l'ai dans l'eau. Hein. Ouais. Je suis en train de me faire rouler dans la farine par un lynx, là. C'est bon, élan. Quand je suis pas prêt. Dieu. Il apparaît quand je suis un prêt. Un albinos? Il est... Hein? Un albinos? Oh. Ouais. Bah, prends la pix. Ouais, fais une pix. Pas la pix. Ah oui, joli. Ah, il est beau. Fais la photo, Erwan. On parlait d'albinos. Non. Score de trophée de 200. Oh, pourtant, 200, c'est tout. C'est bizarre. Ah ouais, c'est dommage. Parce que t'as pas eu le bonus d'intégrité, peut-être, non? Non, non, je lui ai mis 3 bastos, mais... Ah, ben voilà. Un peu dispersé. Il a attaqué à faire le pâté, il était encore sur pied. Donc, donc forcément, ça fait attaque pas un bon... Attaque sa mort, Kono, avant de faire du pâté. Bon, bah l'autre, il me prend pour un con, il est reparti dans l'autre sens, quoi. Rien. Non, non. Je mettrai l'image sur ton Facebook. Ouais, ouais, et puis ça, je la partagerai. De l'élan, c'est vrai que j'en ai jamais bouffé de ça. J'ai bouffé pas mal de saloperies, si, mais de l'élan... Ah, de l'élan, c'est-à-dire qu'ici, faudra vraiment... ouais, peut-être là-bas, tu vas... Chez nos cousins québécois, il y a moyen peut-être de manger du pâté de caribou, mais... Et d'élan... Ah si, j'en ai mangé des choses. J'ai mangé de la moule, de la chatte, tout ce que tu veux, mais... il est plutôt fruit de mer, pas tout. Moi, je suis plutôt fruit de mer, avant tout, mais bon. Et des bulots et tout, hein, des couteaux, Tant qu'à tirer les oursins, j'y mange pas quand même. Ouais. Ah, moi non plus. Ça pique la langue, ça râpe la langue. Ça croque sous les dents. Une petite sauce aux champignons avec. Non, ouais. Non plus, si. Une petite sauce moule là. Quand ça commence à craquer sous la dent, faut s'en méfier. Chez Léon. Oh Dieu. Bon, oh, bah je crois que voilà, hein, de toute façon l'horaire est arrivé. Hein, l'horaire est arrivé. Moi je marche le long des rails, désespéré. En traînant la patte. Oh. T'attends le train? Ouais, bah je peux attendre un moment, je vais crever avant, je crois. C'est vrai, non, y a pas de train, y a pas de train de toute façon qui passe. Non, 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 non. C'est con, faudrait qu'il y ait le train qui passe, ça pourrait être drôle quand même. Mais je me redirige vers vous, ça va peut-être en rabattre un peu. Putain, mais ouais, y'en a qui attirent le chibier ou y'en a qui les. Mais alors nous, rien, on le fait fuir, mais un truc de. Ah, aujourd'hui, ouais, on a été comme. En fait, non, mais c'est vous qui faites fuir le gibier qui l'ont envoyé vers nous. Ouais, ouais, c'est possible. Non, c'est une technique aussi, ouais, c'est une technique de battu, quoi. Nous, on est rabatteur, quoi. Nous on est là, on parle et puis on va avoir le gibier. Nous on se promène, ça sera vraiment la vidéo, on se promène. J'ai vu 2-3 machins, bon j'ai niqué une belette quand même moi, pas tout. Hein. J'ai quand même niqué une belette à la 338. Mais à part ça, j'ai aperçu, entre-aperçu du lynx, un ou deux, bon c'est peut-être le même qui me faisait tourner en rond. Le cul d'un machin au début là, mais finalement je sais pas ce que c'était, hein. C'était une grosse bête. Une grosse bébête. Mais sans ça, on aura vu de beaux panoramas, de beaux paysages. Voilà. T'es un dahu peut-être, non? On arrive dans les terres à Zanzibar, là. À Zaza la Topine. Des échos, j'en ai de partout, tu peux être sûr. Et c'est toujours ce connard de lynx. Et moi j'ai tué, enfin je crois que j'ai tué un lynx, on va voir. Ah, bah j'ai pas entendu. Pourtant t'as 260 mètres. J'aurais t'as tiré avec le silencieux ou quoi? Ah bah la 270. Ah. Attends, ça claque un peu. Ah, 243, pardon, 243. Ça claque un peu. Oh, t'as tiré la 22 ou quoi? À la fronde. Allez, je cours vers vous. Enfin, en tout cas... putain, ça... Les chiffres... tous vers Patou! Tous sur Patou! Allez, ouais,
Attention pas tout. Allez, comme ça, hop, pistolet à la main. Putain, mais tu voudrais tirer qu'il n'y a rien du tout. Hein. Tu voudrais tirer qu'il n'y a rien du tout. Alors, pas de balle. Bon, bah écoute, coup pour rien. Hein. Coup pour rien. Vu qu'on fait pas de montage machin et qu'on joue pas 3 heures de temps pour en faire une vidéo d'une demi-heure, nous voilà, on joue la demi-heure et puis s'il y a du gibier. Ouais, je vais le choper, Pas tout, ça doit être là, j'ai un cadavre. Ouais, mais c'est ça, Bon, ouais, écoutez, on va s'arrêter là, je ramène là-bas ma gueule. Ouais, 25-54, ouais, c'est ça. Tu l'as devant chez toi là-bas? Ouais, ouais, je l'ai devant moi là. Ah, j'arrive. Genre une nargue. Un cri de d'élan mâle par là-bas. Ouais, ouais, maintenant qu'on va arrêter, ils vont sortir dans votre dos, putain, et si ça sort là d'un seul coup, je pète les plombs, je jette l'ordinateur par la fenêtre. Écoute pas, hein. Je jette l'écran par la fenêtre, allez. C'est limite. Allez, jette la souris, quoi. Tu jettes le volant, tu me dis où c'est, je vais chercher. Ouais, il y a quelques kilomètres, hein, Toulouse, la Savoie. C'est pas grave, je prends l'autobus. Ouais. Bah, parlant d'autobus. Ouais. Tu prends Webus, eh, prends la Kono Airlines, tu vas voir, ça va bien, L'accident qui s'est passé chez moi là, il y avait des gens que de la famille qui étaient dedans. Ah merde. Ouais. Tu connais, ouais, c'est une catastrophe malheureusement. Ouais, je sais pas trop le... Ah non, cible non valide, je peux pas te tirer dessus. Comment ça? Je peux pas tirer dans sa fière. Bien sûr, tu tires dans les pieds, tu vas voir. Ah bah non, je peux pas. Allez. Attends, voilà. Oh putain, on arrive tous ensemble, c'est bon, c'est parti. Voilà, bon, bah écoutez, on est arrivé, merci d'avoir regardé la promenade, c'est la promenade, et puis un petit divertissement, voilà, le divertissement du... bah ça sera certainement la semaine prochaine, puisqu'on n'aura pas le temps de plot ça avant, mais voilà, petit divertissement The Enter, bon, manquait un peu de gibier, mais en tout cas, Saphir et Erwan ont fait l'affaire, c'est tant mieux pour eux, merci les gars, merci Patou, merci Saphir, merci Je vous ai fait la cuisse, merci à tout le monde, ciao. Allez, ciao, à la prochaine. Prochaine. Salut.